Yep, salut tout le monde, c'est Cacahuète. On va reprendre le bateau et aller soigner le prince des elfes. La fantaisie. Ça va, tu n'as pas beaucoup. Je suis un gros costume. Bah si, ça c'est bruyant. Le sel médicinal pourrait bien être le seul remède capable de dissiper le maléfice qui pèse sur le prince. Je vais essayer tout de suite. Votre Altesse, Votre Altesse. J'ai fait un terrible cauchemar. Suis-je encore en train de rêver? Vous êtes les guerriers de la légende, alors tout ceci n'est pas un rêve. Ainsi, la prophétie de mes ancêtres va bel et bien s'accomplir. Je vais pouvoir rendre la clé mystique à ses propriétés légitimes. Vous obtenez la clé mystique. Grâce à vous, le prince a fait la justice. Merci, vous avez la paix et le fier. Merci, Gaël la lumière. Ok, mais ça voit quoi cette clé mystique déjà? Je suis pas plus avancé.
Sauf que t'es piégé là aussi.
bizarre, j'ai plus le bâton. Thank you.
Salut Tetsuo. Allez, Final Fantasy Pixel Remaster. J'ai sauvé le prince des elfes, mais là je sais pas ce que je dois faire. Je vais me balader sur la carte. Dans ces avis, il est toujours au courant de tout. Bon,
Moi, je sais pas ce que je dois faire, on va aller voir la danseuse. C'est pas elle. La clé mystique permet d'ouvrir les portes qui sont verrouillées dans le château. D'accord, j'ai la clé mystique. Et quel château? Il y a des portes verrouillées là? Le temps est venu de cette clé mystique d'ouvrir les portes. L'équipement cache un sel fantastique. Rayon, rapière, dague de maîtrise. Arme de fer, tente. La dynamite. Ah, c'est ça pour aller chez les... Chez les nerfs. Je sais plus comment on y va. Néric, le nain est à la recherche de puissance plus violente, ce qu'il compte en faire. Ah oui, mais je sais plus où est le village des nains. Déjà fait un sauvegarde. Tête de bateau. Ouais, je pense qu'il faut le bateau.
Ouais, je sais que je dois aller chez Lena, mais je sais plus comment on y va. J'y avais déjà été, mais je suis un peu. Je suis. C'est un passage par là. Ah, c'est chiant.
Là, il y a une caverne, là. Là, on est chez les nains. Un nouvel habitant. Il a survécu à la noyade en plus. Un escargot ? Oh, je sais pas. Il était dans la salade ? C'est dans, pas dans la salade, c'est dans l'oseille que j'ai pris hier chez maman. Et depuis ce matin, j'avais fait se nettoyer dans de l'eau. Mais dans, dans la cour. Ah oui, bah, je vais pas regarder là. Et c'est le deuxième que je chauffe. En fait, ce matin, j'en avais déjà trouvé un. Attends, je joue la mienne. Avec cet explosif, il faut tout maintenant creuser un canal en moins de 2. Bien joué, petit. C'est parti. On va tout bonnement réduire ce rocher à miettes. Qu'est-ce que vous attendez? La dynamite va exploser, on ne sait pas dans quoi. Oui. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté du canal. Ça ouvre un passage au niveau de l'eau. Et là, on peut rien faire de plus. Il faut reprendre le bateau. Mais non!
Ok. Là, de l'autre côté. Si on peut, là il y a rien. Là je crois qu'il y a quelque chose. Il y a encore une vie. Oh. Éclat des cristaux, j'aimerais bien. Déjà, 100 argile. On va aller voir les magasins. Épée longue, ah, ça pourrait être intéressant, plus 20, plus 10. Oh, on va prendre une épée longue. Et un dev. Il est au-dessus. Comment j'ai dit ça. Le vampire qui entre la caverne Terra. Faut arrêter un vampire. Bien sûr, il y a le point du diable. Voilà. 36 000. Ça a l'air bien, un mur d'acier, mais j'ai pas les moyens.
90. Ça c'est bien. Christianity KO. On va prendre ça déjà en premier. Un câble de tous les morts vivants. Prendre des PV de l'équipe. Je pense que j'ai plus assez pour les sorts de magie noire, mais on va regarder quand même ce qu'il y a. Brasix, ça c'est intéressant. Tue les ennemis sur le coup, renvoie l'équipe à l'étage précédent. Ah, c'est intéressant. Limite le nombre d'attaques de l'ennemi. On va déjà faire quelques XP pour au moins un sort. Faire quelques combats ici. D'argent. Je vais pas tarder à arrêter.
La prochaine, salut, salut.